On va passer à la dernière table ronde de la matinée, si vous le voulez bien, autour de la question des défis environnementaux et du e-commerce. Et c'est pas anodin, parce que les volumes, évidemment, sont considérables. J'appelle Marie-Claire Daveux, la directrice du développement durable et des affaires institutionnelles de Kering, fidèle de Giverny. Marie-Claire, je vous en prie, prenez place. Frédéric Giavarini, secrétaire général du groupe Fnac Darty. Madame Giavarini, je vous en prie, prenez place à votre tour aussi, s'il vous plaît. Jérôme Grint, membre du directoire d'Arkea, banque, entreprise et institutionnelle, je vous en prie. Merci. Marie-Christine Kornilov, directrice déléguée du WWF France, s'il vous plaît. Et je passe la parole à ma consoeur Cyrielle Ariel de BFM Business. C'est un peu madame, c'est pas un peu, c'est madame RSE de BFM. Ici, voilà, voilà, Cyrielle. Merci. Je prie. Je te laisse la parole, Cyrielle, jusqu'à... Merci infiniment. Bonjour à toutes et s'il tous. S'il vous plaît. Vous pouvez applaudir mes intervenants. Moi, je suis ravie. Est-ce que vous allez bien ? Est-ce que la RSE vous passionne et vous fascine, vous aussi ? Oui, on est d'accord. Donc, je suis ravie d'avoir tous mes intervenants, Marie-Claire Daveux, Frédéric Giavarini, Jérôme Grint, et pas Grint, et Marie-Christine Kornilov. Alors, nous allons parler des défis environnementaux face au e-commerce. C'est un secteur en pleine croissance qui connaît notamment une forte accélération depuis la crise de la Covid-19. Alors, c'est souvent critiqué pour son impact environnemental et il reste profondément lié au commerce physique. Et nous allons tenter de répondre effectivement avec mes quatre intervenants et voir avec eux comment inscrire toute la chaîne de valeur du e-commerce dans une responsabilité environnementale et sociétale. Mais avant tout, c'est notre coprésidente Marie-Claire Daveux qui va ouvrir cette table ronde pour nous parler des propositions. Merci de l'accueillir et de l'applaudir. Merci. Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Et avant d'arriver dans les propositions, je voudrais remercier tous les membres du groupe de travail, puisque je ne suis aujourd'hui que la porte-parole, et aussi tout particulièrement l'autre coprésidente qui est dans la salle, Marie-Georges d'Accenture. Donc un grand merci à toute cette équipe. Peut-être vous dire aussi que le thème qui a été choisi, et vous commenciez à l'évoquer, le e-commerce, il y a une approche qui nous a guidés tout au long en fait, des travaux, c'était de se dire la Covid a été vraiment en fait, un booster pour un certain nombre de secteurs du e-commerce, et qu'on soit dans le commerce physique, en boutique, etc., ou qu'on soit dans le commerce e-commerce, il est important de prendre en compte la dimension environnementale, puisque à la fin, l'un et l'autre ont un impact sur la planète. Alors, nos mesures, et vous les retrouverez dans le document qui a été formalisé, s'articulent en fait autour de six grands axes. Le premier, c'est d'offrir sur les sites de e-commerce une offre circulaire, puisqu'il y a un élément quantifié qu'il faut garder en tête, c'est que l'ordre de grandeur dans le bilan carbone, entre 85 et 95% du bilan carbone des sites de e-commerce sont évidemment liés au produit ou à l'usage du produit. Donc si on veut aussi diminuer l'impact global de ces sites, évidemment offrir une offre circulaire est un élément positif. Deuxième axe qui est important, c'est la visibilité et l'accessibilité aux produits manufacturés en Europe. On le comprend aisément, la partie en fait transport a un impact au niveau des émissions de gaz à effet de serre / carbone. Plus ce transport est réduit, évidemment, plus on diminue l'impact. Et donc, il nous semble extrêmement important de pouvoir favoriser et encourager. L'autre point qui est important, donc troisième axe, c'est tout ce qui est lié, en fait, à l'emballage, au packaging, et donc vraiment de promouvoir la réduction et l'éco-conception. Et c'est intéressant parce que ça rentre en résonance avec aussi l'attente des clients et des consommateurs. Sans vous abreuver en fait d'éléments chiffrés, 67% aujourd'hui des consommateurs considèrent que la recyclabilité
des emballages, c'est quelque chose d'important. Et 46% en fait réutilisent déjà ces emballages. Donc vous voyez, en tant que site de e-commerce, c'est quelque chose qui est loin d'être négligeable. Donc bien évidemment, l'éco-conception qui doit être adaptée aux produits, et puis d'utiliser de la matière première qui est recyclée, recyclable, et évidemment d'éliminer tout le suremballage. Il existe aujourd'hui déjà des démarches extrêmement intéressantes. Donc là-dessus, le groupe de travail estimé, c'est qu'il fallait les mettre à l'échelle, type les colis réutilisables, les colis renvoyés à l'expéditeur qui sont nettoyés et réutilisés pour d'autres choses, ou bien l'anonymisation des colis. Encore une fois, beaucoup de choses existent, mais un des objectifs qu'on a essayé de faire passer dans ce groupe de travail, c'est que ça soit les pouvoirs publics et l'ensemble des partenaires se mobilisent pour passer tout ça à l'échelle. Un autre sujet donc, qui est le quatrième axe, c'est encourager l'élimination des plastiques à usage unique. Bon, c'est un sujet à la fois que les uns et les autres au niveau français, on connaît bien, puisque tant d'un point de vue législatif que réglementaire, il y a des engagements précis que nous devrons mettre en œuvre. Et on voit aussi qu'il faut pousser sur des nouvelles solutions techniques, type les emballages carbonés. Et puis, bien évidemment, et on le sait, hein, c'est un peu comme pour les émissions de carbone, il nous restera des emballages résiduels. Et dans ces cas-là, favoriser des usages de plastique issus de matières recyclées, mais bien évidemment aussi recyclables. Ça demande de l'imagination, ça demande de la créativité, ça demande aussi une volonté. Juste une petite parenthèse, le groupe Kering, on est très engagé sur cette élimination de plastique à usage unique, que ça soit en B2C ou en B2B pour échéance de 2023. Je vois bien concrètement à quel point c'est compliqué. Je vais très vite. Les alternatives à la décarbonation sur le mode de transport, on sait que le dernier kilomètre, c'est quelque chose d'important. On sait que la majorité des consommateurs veulent être livrés à domicile. Donc là-dessus, moyen alternatif décarboné. Et puis le dernier, qui correspond totalement à l'esprit de Giverny, le partage et l'approche collective. Donc le sixième et dernier axe, c'est de créer une base de données fiable, avec de l'information vérifiable, centralisation de l'information de tous les produits qui existent, avec cette dimension de développement durable. Et encore une fois, ça rentre en résonance par rapport à l'attente des Français, par rapport à l'attente des consommateurs, et c'est tout à fait extrapolable aussi sur l'attente des consommateurs européens. Voilà, je ne sais pas si j'ai tenu le temps, je respire, merci. C'était pour très votre succinct, écoute. Merci beaucoup Marie-Claire, on va revenir vers vous. Effectivement, je suis ravie de ce thème, de cette table ronde, parce que les enjeux sont conséquents. J'ai oublié de vous donner les chiffres en introduction. Les ventes sont passées de 57 milliards d'euros en 2014 et sont arrivées à plus de 112 milliards d'euros en termes de ventes cette année. Donc effectivement, en termes de réduction d'empreinte carbone et puis de déchets, il y a également beaucoup de choses à faire. Alors ce que je vous propose, c'est que pour continuer cette table ronde, je vais faire un premier tour de rôle et vous demander à chacun de tout d'abord de ce que vous pensez de ces propositions et ensuite on va rentrer dans le vif du sujet par rapport, on va dire, aux démarches RSE, le CSR, par rapport à vos propres compagnies. Et je suis ravie également d'avoir le secteur privé, mais aussi surtout une ONG également à cette table ronde qui va pouvoir nous donner son avis après ce tour de table. On commence avec vous, Jérôme. Bonjour à toutes et à tous. Évidemment, donc, ce qu'on a trouvé particulièrement intéressant dans ces différentes propositions, c'est qu'elles sont très concrètes. Elles vont nécessiter l'investissement important de l'ensemble des parties prenantes, c'est-à-dire de toute la chaîne du e-commerce, hein, que ce soit les fournisseurs, les transporteurs, les logisticiens, jusqu'aux e-commerçants. Il y a un enjeu qui est très fort. On sait qu'on est à un moment charnière, on est à un moment pivot, où il faut que nos économies évoluent. Et là, ça va être très important aujourd'hui, tout à chacun, et c'est pour ça qu'on est là, pour partager ces bonnes pratiques, afin de mettre en place ces différentes mesures. Moi, ce que je retiens, et je remercie Marie-Claire et le groupe de travail, c'est avant tout les mesures qui touchent à l'offre, parce que Marie-Claire l'a dit, que ce soit dans l'e-commerce ou dans le commerce plus largement, nos impacts sont sur l'offre, 85 à 95% des émissions
sont liées à la fabrication et à l'usage des produits. Donc l'enjeu avant tout, c'est de faire évoluer nos offres, de s'assurer que c'est une offre de qualité, d'éliminer des marketplaces, des vendeurs qui ne sont pas responsables. Donc à ce titre-là, la première proposition qui est d'encourager le développement d'une offre circulaire me paraît absolument essentielle, tout comme la dernière qui rejoint les propositions que nous avions faites avec Jean-Paul Mauchet dans le cadre des Assises du commerce, de créer une base de données accessible à l'intégralité de la chaîne de la valeur pour alimenter la capacité à créer des indices qui représentent l'impact environnemental des produits, un peu comme un Yuka pour l'ensemble des familles de produits. Après, il y a tout un tas de mesures qui sont autour, qui sont plus spécifiques au e-commerce et qui me paraissent essentielles parce qu'elles correspondent à une attente évidemment très forte des consommateurs aujourd'hui et elles sont emblématiques de la transformation du secteur. Et puis enfin, il me semble peut-être manquer une mesure importante liée à l'éducation des consommateurs, c'est encourager ou demander la généralisation de la mesure de l'impact des différents modes de livraison quand on est sur un site e-commerce. C'est quelque chose que le groupe Fnac Darty a lancé en début d'année. Ça me semble absolument essentiel pour que les gens aient conscience des impacts de leur mode de consommation. Et ça rejoint Marie-Christine, effectivement, ce que vous souhaitez. Enfin, tout d'abord, voilà, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous pouvez rebondir. Alors, ravie, effectivement, de pouvoir contribuer à cette table ronde sans avoir été directement producteur de toutes les mesures et donc de tout le travail effectué. Et on se félicite, bien sûr, de ce travail effectué, très important, le e-commerce. Alors, évidemment, en termes d'enjeux, on le comprend bien sûr, l'offre est déterminante en termes d'impact, parce que dans e-commerce, il y a commerce. Donc, la partie produit est déterminante. Il nous semble néanmoins, et ce serait un retour là de WWF, de dire qu'on parle aussi beaucoup, quand on évoque le e-commerce, de la nécessité d'agir vite, d'être rapide, de livrer vite. Et c'est même un peu paradoxal, parce qu'il y a beaucoup de sujets où on se dit qu'il faut aller vite. J'ai entendu toute la matinée l'urgence d'agir, la nécessité d'être rapide et réactif. Mais alors, dans le e-commerce, notre sentiment d'ONG, c'est que là, on crée un faux besoin qui est totalement contradictoire avec cette notion de sobriété, d'un comportement, au contraire, on doit pouvoir attendre. Donc là, c'est plus une réflexion, et je comprends bien qu'en termes d'impact, ce ne soit pas majeur, mais je pense que les sites de e-commerce, l'approche toujours plus vite, toujours plus rapide, livrée dans l'heure, dans la demi-heure, etc., c'est contre-productif. Et je pense que là, il y a une responsabilité de tous ceux qui proposent des sites de e-commerce de vouloir ralentir un peu cette activité frénétique. Donc ça, c'est la première idée qu'on partage. Et la seconde idée, bien sûr, aussi, c'est la transparence. Donc là, je rejoins ce qui a été dit. Là encore, même si l'impact n'est pas majeur, on pense que tout ce qui peut donner aux consommateurs, on est dans un pays de liberté, ça a été dit sur l'alimentation, mais c'est important pour le consommateur de pouvoir faire les bons choix et d'avoir conscience d'ailleurs du choix qu'il va, quand il achète sur un site, il doit choisir le bon produit, hein, un produit local, etc., mais il doit aussi pouvoir choisir le bon mode de livraison. Donc il y a eu des expériences avec le groupe La Poste, et tant mieux s'il y en a d'autres, d'un score de la livraison. Nous, on y est bien sûr très favorables. Voilà. Donc, moins de vitesse, plus de calme pour le et plus de transparence. Voilà, deux idées. Et il y en a beaucoup d'autres. Hein. Alors, justement, avant de repartir chez nos acteurs du privé, comment vous travaillez aujourd'hui, vous, en tant que VVF, avec justement les entreprises? Et qu'est-ce que vous leur proposez comme solution plus vertueuse et durable? Alors là, ça prendrait un peu plus de temps. Je vous encourage à venir me voir. Ou aller sur le site. WWF, effectivement, nous sommes une ONG. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on est ravis d'être à Giverny, parce qu'on est très orienté solution et ne pas être dans le yaka faucon. Mais comment, avec des entreprises, trouver des solutions concrètes pour mettre en place des mesures pour assurer la transition? Donc, beaucoup de partenariats bilatéraux avec une entreprise, on choisit d'avancer ensemble. Et je pourrais bien sûr vous en dire davantage, et sur tout type de sujets, des sujets clés comme l'alimentation, qui vient d'être cité, beaucoup d'autres, le transport, et là, le e-commerce.
Merci beaucoup. Alors maintenant, je reviens à Jérôme. Alors vous, je trouve ça très intéressant. Vous, chez Arkéa, banque, entreprise et institutionnelle, vous avez adopté, que j'aime beaucoup, la loi Pacte, qui a été promulguée en mai 2019, le statut d'entreprise à mission. Concrètement, ça accélère quoi chez vous ? Toutes celles qui ne sont pas encore... qui n'ont pas encore divulgué leur raison d'être et qui ne sont pas entreprises à mission, qu'est-ce que vous leur dites ? Donc c'est le Crédit Mutuel Arkéa qui a adopté en Assemblée Générale en mai dernier le statut d'entreprise à mission. C'est quelque chose qui est finalement la suite logique de la raison d'être qu'on en avait exprimée d'accompagner les territoires et les acteurs économiques dans leur transition. Environnementale et sociétale. C'est-à-dire les trois sujets. C'est hyper important. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a une vision de performance globale. On regarde l'ensemble de nos investissements, mais également l'ensemble de nos financements, au travers de deux critères. À la fois le critère financier, qui est essentiel, mais également le critère extra-financier. Donc on en a parlé lors des précédents ateliers au niveau des data. Le sujet des data sera primordial, mais ça modifie notre façon de penser et notre façon d'intervenir. C'est pour ça, quand on parlait tout à l'heure de prendre du temps, on sait que les investissements qui vont être nécessaires pour cette transition vont nécessiter des capitaux, et que la vision à la fois de la rentabilité de l'opération, mais également de ses impacts positifs, sont pris en compte dans notre démarche. Et donc c'est finalement la conviction que l'objectif d'une entreprise n'est pas uniquement la rentabilité, la profitabilité à court terme. Et donc ça modifie complètement notre organisation, ça modifie nos décisions stratégiques, et derrière on forme l'ensemble de nos collaborateurs. On a formé 90% de nos collaborateurs sur les enjeux climatiques, 94% de nos administrateurs, et on rentre dans une démarche très positive et très dynamique, avec beaucoup de sens qui est donné aux collaborateurs. Là aussi, c'est quelque chose qui est essentiel. Oui, mais là, il faut aller vite, là, pour le coup. Hein. Autant pour la livraison, on peut prendre son temps, autant là, il faut aller vite pour la transformation. C'est ça, le paradoxe. Pardon. Hein. Non, mais c'est... C'est hyper important. Ça rythme, Marie-Christine, merci. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est quand on a ce statut d'entreprise à mission, on s'oblige vis-à-vis de toutes nos parties prenantes. On s'oblige vis-à-vis de nos fournisseurs, vis-à-vis de nos clients, nos sociétaires, mais aussi nos salariés. Donc on ne peut plus reculer. Là aussi, c'est important. Et il y a des comités de mission qui suivent la réalisation des engagements. Jérôme, j'ai deux questions pour vous, justement. Marie-Christine va ouvrir ses écoutilles. Quels sont les critères ESG, justement, d'évaluation de vos clients, et surtout comment vous les incitez à avoir une démarche plus vertueuse, à décarboner leur secteur ? Alors on a trois, évidemment on a différents indicateurs qui sont regardés. Sur les indicateurs, on va dire environnementaux, on va regarder les gaz à effet de serre, la consommation d'eau, le pourcentage de recyclage des déchets. Sur la partie gouvernance, on va regarder l'implication des conseils d'administration, la formation des administrateurs. Sur la partie sociale, on va regarder l'index de parité homme-femme, le pourcentage de formation, des budgets formation au-delà du minimum légal. Il y a différents index qu'on va regarder, mais la difficulté, et ça on l'a vu, c'est selon la taille des entreprises que l'on va accompagner, cette capacité à fournir ces éléments-là. Et là aussi, il y a un grand travail à faire de l'ensemble des secteurs, hein, puisque si derrière on a les assureurs qui demandent tel type de données, les banquiers qui demandent tel type de données, et qu'on a une ETI ou une PME en face qui n'est pas capable de les fournir, eh bien on va avoir un vrai problème. Et aujourd'hui, le régulateur financier oblige les banques à avoir un certain nombre de données, avec soit vous avez ces données-là et vous pouvez prêter facilement, soit vous n'avez pas ces données-là et vous ne pouvez pas prêter. Et donc ça peut limiter les investissements. Donc il y a un vrai sujet là aussi à prendre en main. Et comment nous on les incite en tant que banque ? On met en place des financements à impact avec des notes extra-financières en fonction des données qui nous sont fournies. Et plus l'entreprise est vertueuse, moins le taux d'intérêt est important. L'intérêt, en fait, pour la banque aussi, c'est de se dire que les entreprises qui sont vertueuses sont celles qui seront pérennes à l'avenir, et c'est celles qu'on souhaite accompagner. Et vous voyez que ça bouge, c'est un peu le curseur de Bicorp, quand on a 80 sur 200 ou quand on est déjà 110 sur 200, justement. Est-ce que vous voyez que ça bouge quand vous mettez ces critères ? Alors ça bouge pour deux raisons. La première, c'est que les entreprises arrivent à communiquer vis-à-vis de leurs salariés sur les efforts qui sont réalisés.
Donc ça, c'est important. Et le deuxième point, ce que vous disiez, c'est surtout, nous, on est dans un schéma de transition. C'est-à-dire qu'on veut accompagner toutes les entreprises sans être punitif. Si, par exemple, la note est de 20 sur 100 et qu'on arrive, grâce à des échanges avec l'entreprise sur leur stratégie extra-financière, à monter à 70%, ça a sûrement plus de valeur que d'accompagner une entreprise qui est à 92 sur 100 qui va arriver à 94. Donc on est vraiment sur cette démarche-là et il y a un vrai dialogue qui est engagé avec les entreprises et pour ça, c'est extraordinaire. Vous dites également que pour le e-commerçant, il est de plus en plus important de sélectionner ses fournisseurs. Le prestataire de solutions de paiement ne devrait pas échapper à la règle. C'est-à-dire, oui, c'est-à-dire qu'en tant que banque, le Crédit Mutuel Arkéa, on intervient de deux façons avec la chaîne du e-commerce. On est à la fois financeur et investisseur, mais également on a notre filiale Monext qui processe 45% des paiements du e-commerce en France, qui va intervenir comme prestataire de services. Et là, on se retrouve sur l'impact de l'économie du numérique. Mine de rien, on parlait de la manufacture, du transport, ça a un impact évidemment environnemental, mais différents autres fournisseurs impactent aussi. Et donc, je pense que les consommateurs devraient aussi avoir cette information pour choisir sur quel site de e-commerce ils vont aller. Et là, on a des enjeux très forts sur les data centers, sur les économies d'énergie. Un exemple tout simple, Monext avait ses data centers qui étaient basés à Aix-en-Provence. On les a déménagés à Rennes. Alors évidemment, pour le Crédit Mutuel Arkéa, c'est plus simple, puisqu'on est un groupe breton. Et on a fait une économie d'énergie de 10% sur la climatisation. Ce n'est pas suffisant, évidemment, mais c'est un premier pas sur des mesures qui sont vraiment très simples à mettre en place. Merci beaucoup, Jérôme. Maintenant, on va aller du côté de Fnac Darty avec Frédéric. Alors tout d'abord, avant de commencer, vous vouliez poser la question du commerce responsable, c'est-à-dire ? C'est-à-dire, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, je crois que quand on parle de l'impact du e-commerce, il faut, et pour agir sur l'impact, il faut voir où sont les impacts dans la chaîne de la valeur. Et on sait que le principal impact du e-commerce comme celui du commerce, Marie-Claire l'a dit, c'est de 85 à 95%, ça se situe au niveau de l'offre. Donc c'est évidemment sur l'offre qu'il faut travailler en priorité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire travailler avec les fournisseurs pour ce qui est des produits neufs, pour que les produits soient plus éco-conçus et qu'on tienne compte de l'impact des matières. C'est ce que fait Nature et Découverte, que je dirige, avec 27 critères rédhibitoires qui désormais rentrent dans le cahier des charges de nos fournisseurs pour produire et qui seront appliqués sur 100% de nos produits à horizon 2025. C'est aussi travailler sur la circularité de l'offre et sur la durée de vie des produits. Et là, à mon sens, il y a deux gros sujets. Le premier, c'est la réparation. Encourager la réparation des produits pour allonger leur durée de vie. Parce que quand on prolonge la durée de vie d'un produit, on n'en rachète pas un neuf. Et donc, on génère pas de la fabrication inutile. Et le deuxième sujet, c'est mettre en place la seconde vie. C'est une des propositions. Et l'encourager. Donc, pas à tout prix, c'est-à-dire pas en allant chercher des produits à l'autre bout du monde pour les remettre sur le marché en Europe, mais en faisant du « remade in Europe », en formant des techniciens. Ce seront des emplois qu'on développera au niveau local, et c'est ce que fait le groupe. Là encore, on a beaucoup développé la réparation, on est le premier acteur de la réparation et du SAV. On a aujourd'hui plus de 2000 techniciens qui réparent 1,5 million de produits par an. On a l'ambition d'en réparer 2,5 millions à horizon 2025 en embauchant 500 techniciens sur le territoire français. Donc c'est évidemment absolument nécessaire. Et puis après, c'est tous les sujets d'information du consommateur, parce qu'il est important, et vous le soulignez, que les consommateurs mesurent l'impact qu'ils ont et leur responsabilité dans la transition. Je ne sais plus qui me disait tout à l'heure, je crois que c'était Laure, à Rungis, son problème, c'est qu'on lui demande du saumon qui est élevé, qui a un impact. Si le consommateur ne prend pas conscience de la nécessité de faire des arbitrages pour avoir une consommation plus durable, eh bien, on tourne en rond. Et comme les distributeurs veulent eux aussi gagner leur vie, eh bien, leur enjeu à eux, c'est d'éduquer le consommateur pour les aider à faire cette transition-là. Voilà. On a compris très bien. Vous, chez Fnac Darty, vous avez forcément donc ce modèle omnicanal. Pour vous, c'est le meilleur des deux mondes, c'est le modèle durable. Pourquoi, selon vous ? Alors, c'est le modèle durable parce que c'est le modèle, à nos yeux, évidemment, le plus efficace, parce qu'il permet de
de répondre aux attentes des consommateurs telles qu'elles sont aujourd'hui. Sans le e-commerce, on n'aurait pas pu adresser la demande pendant la période du Covid, notamment. Et puis, on sait combien aujourd'hui, ça fait partie des usages que de commander à la fois en ligne et d'aller voir les produits dans les magasins. Donc, on pense que c'est effectivement le meilleur des deux mondes, à condition qu'on soit capable d'accompagner le consommateur dans sa consommation, et c'est notre raison d'être, s'engager pour un choix éclairé et une consommation durable. Ça veut dire être capable d'apporter le conseil, aussi bien en ligne que dans les magasins. Donc c'est un modèle efficace, je le disais, c'est un modèle rentable, et ça c'est extrêmement important pour la durabilité du modèle. J'enfonce une porte ouverte, mais c'est la réalité, et de nombreux sites e-commerce, pure player, ne sont pas rentables aujourd'hui. Donc c'est évidemment absolument majeur pour la durabilité. Et puis c'est un modèle durable, je le disais, mais aussi responsable, parce qu'il nous permet de maintenir notre ancrage dans les territoires et de maintenir l'emploi au niveau local grâce à notre réseau de magasins, plus de 950 magasins dans le groupe. Vous parlez de choix éclairés dans votre raison d'être, mais en termes de e-commerce, vous avez également la livraison éclairée. C'est ce dont je parlais tout à l'heure. C'est un service que le groupe a déployé sur ses sites Fnac et Darty et qui permet à tous les consommateurs, quand ils font une commande sur le site, de mesurer l'impact des différents modes de livraison. On le disait tout à l'heure, il y a des enjeux autour de l'immédiateté. Dans les grandes villes, dans les grandes agglomérations, le dernier kilomètre peut permettre de faire de la livraison douce, en vélo, avec de la mobilité douce. Aller chercher son produit en magasin plutôt que de le faire livrer à domicile, 46% de nos consommateurs qui achètent sur le site internet demandent la livraison en magasin. La livraison en magasin, elle a un impact très inférieur, à condition que le consommateur, quand il va chercher son produit, ne se déplace pas spécifiquement pour cela. Alors tout ça est assez technique, mais en tout cas, je pense qu'on a, comme distributeur, on a une vraie responsabilité en matière de pédagogie et d'accompagnement des consommateurs. Je le disais, pour qu'ils fassent évoluer leur consommation, à la fois leurs arbitrages sur l'offre, du neuf, du réparable, des produits durables, et puis dans les modes de livraison également. On va parler des emballages. Chez Fnac Darty, vous parlez de colis calibrés. Vous travaillez également sur le suremballage, et j'aimerais ensuite faire rebondir Marie-Christine. Alors oui, on a un peu transformé tous nos emballages. Alors d'abord en transformant la matière qui est utilisée pour les emballages, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui plus que du carton éco-conçu. Et puis effectivement, notre chaîne de production e-commerce nous permet de calibrer les colis à la taille des produits. Donc c'est vrai sur les petits produits techniques, c'est vrai sur les livres. Et donc ça évite d'avoir des colis énormes qui prennent toute la place dans les camions, donc des camions qui sont moins efficients, moins productifs. Et donc oui, l'emballage, le réusage des emballages, la réutilisation des emballages est un enjeu absolument majeur, tout comme la disparition des plastiques, ou leur baisse à tout le moins, des emballages de distribution. Après, c'est un sujet sur lequel il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire. Et c'est un sujet, je le disais tout à l'heure, très, très emblématique pour les consommateurs, parce qu'il est très visible du consommateur. Il se retrouve avec des tonnes de cartons chez lui. On a emballé, il y a l'emballage du fournisseur, et par-dessus, il y a l'emballage du transporteur, il y a l'emballage du e-commerçant. Il y a des sujets évidemment là-dessus d'anonymisation des marques de l'emballage, mais on a encore aujourd'hui beaucoup, beaucoup à faire sur ces sujets-là. Il y a quelques entreprises innovantes pour permettre le réusage des emballages, et nous travaillons avec elles pour essayer de nous améliorer. Avant de vous faire rebondir, Marie-Christine, on va parler de Fred 21. J'aimerais savoir qui dans la salle, parce que durant mon émission, il n'y a qu'une marque qui m'a sorti en termes de transport, le Fred 21. Qui aujourd'hui utilise le Fred 21? Alors Frédéric, alors là, qu'est-ce que c'est? Gros cours de pédagogue. Alors Fred 21, c'est une initiative de l'ADEME qui a rejoint le groupe, donc qui demande aux donneurs d'ordre des transporteurs de prendre en compte l'impact du transport de leurs transporteurs dans leur stratégie RSE. Et donc nous, en rejoignant cette initiative, on a pris l'engagement de réduire de 10% en 3 ans nos émissions liées au transport. Spécifiquement, et c'est-à-dire c'est pas que les émissions liées à nos propres camions, puisque en fait les transporteurs c'est souvent des tiers, ce sont des fournisseurs, mais donc ça veut dire qu'on s'engage dans une démarche avec eux pour les accompagner, pour que collectivement on fait fonctionner un écosystème en fait, à une échelle plus petite, en améliorant la tournée des camions, en l'optimisant, en s'assurant que les camions sont remplis, je le disais, c'est ultra important, et que
autant que faire se peut, il ne rentre pas à vide, en faisant en sorte qu'il soit plus propre. Alors ça, ça veut dire évidemment la conversion des flottes, mais on sait qu'on est limité par les innovations industrielles, mais ça peut être le passage au biocarburant, par exemple. Et puis, c'est tout un sujet autour de l'information, je le disais aussi, des consommateurs. Un axe que je trouverais important serait de mutualiser. Par exemple, on parle beaucoup de communication, d'information du consommateur. Nous, en tant qu'ONG, là pour le coup, nous sommes toujours favorables au fait que des entreprises se parlent entre elles, essayent de mettre en place un même système d'information. Évidemment, les systèmes sont différents, mais pour pouvoir expliquer des choses au consommateur et que le consommateur ait envie de regarder, de le comprendre, et qu'ensuite il le mette en œuvre, c'est-à-dire qu'il fasse les bons choix, des choix éclairés, mais des choix utiles pour la planète, il faut qu'il ait envie de le faire, il faut que ça lui parle, il faut qu'il ait le sentiment aussi que ça n'est pas seulement guidé par l'entreprise, parce qu'il peut être assez dubitatif, se demander si derrière il n'y a pas forcément une rentabilité un peu déguisée. Donc en tous les cas, puisqu'on parle du e-commerce, moi c'est un peu un appel d'essayer de faire une action commune, partagée par différents acteurs, et de vraiment porter des messages auprès du consommateur, bien sûr sur la responsabilité première du produit, mais ça c'est le commerce, mais aussi de l'organisation du dernier kilomètre. Et on sait que c'est pas simple, hein, parce que vous l'avez dit, quand on pourrait se dire s'il se déplace pour aller chercher un colis, c'est mieux en termes d'impact, mais en fait très souvent le consommateur il fait un trajet spécifique, et où d'ailleurs il va chercher son colis en étant motorisé, donc là aussi ça a un impact sur l'empreinte. Voilà, donc rien n'est simple, donc bravo, et bravo à tous ceux qui essayent de faire des choses et qui en plus ont travaillé dur dans ce groupe de travail, mais je trouve que sur la partie communication, information, il faudrait essayer de le faire, et justement en associant aussi des parties prenantes. Moi je crois beaucoup à cette approche, hein, évidemment. Merci beaucoup Frédéric et Marie-Christine, et maintenant c'est Marie-Claire. Maintenant on prend la casquette de Kering, et j'aimerais parler de votre stratégie climat et savoir comment vous avez en effet étudié cette chaîne de valeur au niveau du groupe avec toutes vos maisons. Alors avant que Marie-Christine rebondisse sur Kering, je voudrais lui dire on appuie sur la pédale d'accélérateur, on fait du mieux possible, et certains sujets mettent un peu de temps. Ça c'est le préambule pour l'intervention. Anticiper Marie-Christine. Oui, ouais, c'est ça aussi, dit, le développement durable. Pas de critique. Hein. Faisons ensemble, c'est bien le mot de Giverny, hein. Essayons d'agir ensemble. Donc, pour répondre à votre question, nous, on a développé, et un certain nombre de personnes dans la salle le connaissent, un outil spécifique qui est le compte de résultats pour l'environnement, qui permet notamment, sur l'aspect émissions de gaz à effet de serre, de mesurer d'où viennent ces émissions de gaz à effet de serre, non seulement au sein en fait, des frontières légales de l'entreprise, mais aussi tout au long de la chaîne de fournisseurs et jusqu'au champ de coton, à l'élevage bovin, au vin, etc. Donc grâce à cette cartographie, on a pu identifier d'où venaient en fait nos impacts majeurs, donc ça c'est une chose, et de l'articuler avec l'engagement lié en fait à la COP 21, qui est de dire on souhaite un alignement avec une science-based target à 1,5 degré. Et donc derrière cet alignement 1,5, chez nous ça veut dire quoi? Réduction en absolu scope 1, scope 2 de 90% et réduction en intensité sur le scope 3 de 70% à échéance 2030. Et après, on développe une approche en fait systématique des sujets type achat en fait d'électricité verte. À l'échelle du groupe, aujourd'hui, fin 2021, on est à plus de 92% d'achat d'électricité verte. On sera à 100%. Alors, à chaque fois, je parle à l'ensemble des bornes du périmètre, hein, du groupe, évidemment, on sera à 100%. C'est dans les tanneries d'avoir des processus de tannage sans métaux lourds et qui ont l'intérêt, par exemple, de diminuer de 30% la consommation en énergie. C'est de travailler sur les matières premières
et de prendre des matières premières issues soit de l'agriculture régénératrice, soit de l'agriculture biologique. C'est d'utiliser des matières premières issues du monde du recyclage. Par exemple, on travaille beaucoup, et Gucci a été la première marque à l'utiliser avec Econil, qui est du recyclage de filets de pêche pour faire du nylon. Et puis, j'ai notamment ma collègue de Balenciaga qui est dans la salle. Et chez, par exemple, Balenciaga, ils sont extrêmement innovants. Et lors de la dernière, du dernier défilé, hiver 2022, utilisation de nouvelles matières premières issues en fait de mycélium de champignons. Voilà, donc il n'y a pas une solution magique, mais il y a vraiment une approche en fait systématique de se dire on essaye vraiment à tous les niveaux de réduire. Une question qui me vient comme ça, Marie-Claire, quand on parle du luxe, on parle défilé, est-ce qu'il y a également des enjeux au niveau de l'organisation de vos défilés pour justement réduire leur empreinte ? Bah, de toute façon, quand on est au niveau de l'entreprise et avec des spécificités, vous avez, et je crois qu'il ne faut pas, on l'a dit dans le cadre du e-commerce, mais c'est vrai partout, le premier sujet, c'est le produit et l'usage du produit. Donc ça, c'est vrai chez nous. Mais évidemment, que ça soit les défilés, que ça soit les événements, que ça soit les campagnes de communication, tout a un impact. Et donc, ce que l'on essaie... Et je me permettais de charrier Marie-Christine, mais c'est évidemment aussi, tous ces sujets-là sont parfois extrêmement challengeants. On essaye d'avoir, par exemple, des guidelines, des critères pour accompagner les marques sur les défilés, les événements, mais y compris ce que le corporate aussi organise ou bien lors d'un lancement de produit. Ça demande du temps. Non pas dans notre industrie, toujours pour des raisons techniques. Je crois que par rapport à d'autres industries qui peuvent être présentes dans la salle, c'est pas ça, mais c'est aussi un changement de mentalité. Et donc ce changement de mentalité, je ne sais pas si, on va dire, malheureusement quand même, vu les événements, et le ministre en parlait ce matin de cet été, etc., il y a une sorte de prise de conscience, et j'espère justement que ça va accélérer. Mais vous pourriez aussi me challenger sur tout le monde du digital que l'on va utiliser entre les NFT, le métaverse, etc. Et à chaque fois, il faut essayer d'être le moins impactant possible et raisonner encore une fois à l'échelle de l'entreprise. Il nous reste 8-9 minutes, mais je ne peux pas terminer cette table ronde dans un forum dédié à la RSE sans justement spécifier ce que c'est que le SBT, Science Based Target. Qui dans la salle connaît ? Merci, merci. Bien, bien. Alors, bravo, bravo. Mais alors, on pourrait poser une question additionnelle, parce qu'on a beaucoup parlé là de climat, hein, donc de SBTI sur la partie climat. Peut-être un peu moins de biodiversité. Or, tout le monde on allait y venir, Marie-Christine. Ah, attendez, formidable. Je n'ai pas fini mes questions. Il y avait une autre question. Ah, j'ai cru que la question s'arrêtait impatience. Là. Impatience. Ah, bon. Marie-Christine, alors, dès que la COP sera passée et qu'il y aura une méthodologie sur la biodiversité, en tous les cas, le groupe Kering sera ravi de s'engager vraiment formellement sur cet aspect biodiversité, même si aujourd'hui, il y a un certain nombre d'éléments, et d'ailleurs, on participe au groupe de travail. Mais il est temps d'aborder, du coup, on va finir avec nos animaux, ce fonds régénératif pour la nature, Marie-Claire, de manière concrète, comment Kering s'engage ? Alors, d'abord, je pense, et vous avez raison, il ne faut pas opposer biodiversité et climat, l'un et l'autre. Voilà, simplement, on voit que même médiatiquement, le climat, peut-être aussi parce que plus quantifiable, parce qu'on en parle depuis plus longtemps, il y a une espèce d'appréhension collective plus importante que sur la biodiversité. Mais quand on voit les experts de l'IPBES versus ceux du GIEC, ils sont aussi en fait alarmistes les uns que les autres. Donc nous, là-dessus, en une minute, on a défini une stratégie biodiversité. La nature, c'est très important pour les marques du groupe Kering. Là, plus que la grande majorité des produits que nous utilisons viennent des écosystèmes, viennent de la nature directement, que ce soit le cachemire, la laine, le coton, le bambou, etc. On a décidé, pour être opérationnel, de créer ce fonds qui a pour objectif de transformer en fait 1 million d'hectares d'agriculture conventionnelle en agriculture régénératrice,
On a sélectionné aujourd'hui plus de 800 000 hectares qui sont dans l'année 1 de transformation. Il faut en moyenne 3 ans. On espère que les produits matières premières qui seront issues seront utilisables dans nos chaînes de production. Encore une fois, ne jamais oublier qu'un groupe comme le nôtre n'achète pas du coton direct, n'achète pas de la laine. Ça veut dire qu'il faut construire toute la chaîne de fournisseurs. Et donc là, on a besoin de travailler collectivement. C'est 7 projets à travers le monde. On ne fait pas ça tout seul. On travaille avec une grande ONG aussi internationale qui s'appelle en fait Conservation International. On a besoin de l'expertise. On a besoin aussi d'avoir cette approche globale. Et comme ça nous semblait aussi notre responsabilité de dire il y a un côté utilisateur, mais on doit aussi protéger ce qui est à haute valeur patrimoniale, on a pris un engagement de protéger 1 million d'hectares à travers le monde d'espaces qui ont une haute valeur patrimoniale et dont il n'y aura pas d'usage entre guillemets direct dans les chaînes d'approvisionnement de Kering. Et j'étais au mois de mai dernier visiter un de nos projets dans le Lot où on a remis en place la culture du safouin. Et voilà, et donc c'est super. Qui va servir à quoi du coup le safouin ? Le safouin, en fait, c'est un fourrage. C'est une légumineuse qui a l'intérêt en fait, de séquestrer beaucoup plus l'azote et donc d'enrichir le sol de manière naturelle, de mieux structurer le sol et donc d'éviter les problématiques d'érosion, etc. Il nous reste 5 minutes, c'est bien ça, mon confrère ? Un petit peu moins de 5 minutes. Un petit peu moins, alors dans ces cas-là, on va c'est faire... C'est ça, 5 minutes, vas-y, je t'en prie. On va faire un tour de table, voilà, vous avez carte blanche pour justement parler de vos enjeux, de vos initiatives RSE au sein de votre secteur pour chacun d'entre vous. Jérôme ? Alors, sur nos initiatives RSE, on s'est fortement engagé en tant qu'investisseur là, en lançant un fonds impact qui s'appelle We Positive Invest 2, dont l'objectif est finalement de financer les sociétés de demain, mais avec ce prisme dont je vous parlais de performance globale. Et on a fait nos premiers investissements là, et on a pour ambition de réussir à fédérer autour d'Arkea Capital différents investisseurs pour continuer à multiplier nos actions. Donc on continue sur cette démarche-là de financeurs et d'investisseurs. Merci beaucoup, Frédéric. Moi, j'en ai déjà beaucoup dit. Principaux enjeux, le développement du modèle omnicanal, pour les raisons que j'ai évoquées. Le deuxième, allongement de la durée de vie des produits avec la réparation. Je vous ai parlé de notre ambition autour de la réparation de beaucoup plus de produits d'embauche des techniciens. Un enjeu autour de l'information du client. On a un label choix durable qui permet au client de s'y retrouver dans l'offre, un petit à petit qu'on étend à la totalité de l'offre et qui permet de voir ceux des produits qui ont la durée de vie la plus longue parce que les pièces détachées sont disponibles, parce qu'ils ont un taux de panne moindre et qu'ils sont réparables. On n'est pas du tout déconcentré pour terminer notre table ronde. Je vous ai dit donc beaucoup d'enjeux autour de l'information des clients et puis on est un groupe évidemment responsable en matière de diversité, donc on a pris des engagements pour l'améliorer, comme beaucoup d'autres groupes, donc pas uniquement sur la dimension environnementale. Sur la partie scope 3 que vous évoquiez, on sera en mesure d'annoncer très prochainement une ambition. On attend la validation par le SBTI. Et puis nous ouvrons également le sujet de la biodiversité cette année au niveau du groupe chez Nature et Découverte. C'est complètement natif. Il faudra le dire sur mon plateau, Frédéric. Ouais, avec plaisir. Marie-Claire, merci beaucoup. Par rapport à ce qui a été évoqué, 3 axes. Le premier, comment concilier croissance et réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais en absolu. Deuxième sujet, bien-être animal, où il faut passer, pour moi, à une échelle, on va dire, plus importante. Et puis, un enjeu auquel on croit beaucoup, qui est le travail. Marie-Christine l'évoquait sous forme de coalition. Nous avons le Fashion Pact, 250 marques, domaine de la mode. On veut entraîner d'autres de nos collègues. Et puis l'initiative que nous avons lancée avec Cartier sur le secteur de la joaillerie et de l'horlogerie, avec la même approche climat, biodiversité et également la dimension sociale, et où on veut aussi entraîner d'autres acteurs. C'est la seule façon, si on atteint une taille critique, où on pourra bouger, que ce soit les chaînes de fournisseurs ou même nos propres entreprises. Merci beaucoup, Marie-Claire. Et le mot de la fin, Marie-Christine ? Je vais être très rapide, puisque d'autres vont s'exprimer. Alors, je ne garderai qu'une seule idée, le fait que les sujets sont complexes. Il y a urgence dans l'action, hein, urgence sur le climat. Bravo à tous ceux qui connaissent SBTI. Urgence aussi sur la biodiversité. Et une de mes convictions, c'est qu'il faut avancer ensemble.
avec des parties prenantes et surtout bien expliquer les choses auprès du consommateur pour que les choix soient les bons. Merci infiniment. On peut les applaudir. Merci infiniment à mes quatre intervenants. C'était très riche, très inspirant. Et merci mon confrère Thierry pour ta présentation. Merci à toutes et à tous. Merci Cyrielle qu'on retrouve donc dans cette émission RSE sur BFM Business. Bravo à toi et merci infiniment.